اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. Messieurs les membres du Conseil national de la transition ici présents, vénérés sages membres des associations communautaires, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, du bureau exécutif de l'UFDG, messieurs les secrétaires fédéraux de l'UFDG aux États-Unis. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole dans cette salle. Parce qu'en décembre 2007, c'est ici, dans la même salle, que le doyen Bamamadou m'avait fait le plaisir de me présenter à nos compatriotes vivant aux États-Unis en justifiant en des termes élogieux le choix qu'il avait fait la direction de l'UFDG. Croyez-moi, je suis très ému parce que je me souviens encore de la configuration de la salle et le discours tranchant du grand combattant que fut notre grand frère, le doyen Bamamadou. Je voudrais vous demander d'observer une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Alors, je suis avec notre frère et ami, le docteur Diti, qui souhaitait prendre la parole. Je voudrais, avec votre permission, lui passer la le micro. Il va délivrer son discours à langue nationale Poulard et après je vais reprendre le micro. Merci Monsieur le Président de l'UFDG, Rajissé Boudalène Diallo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sifbe et yibbe julbe mais salmi niu mais veltani ke ongal murkudial maungal do yetti dimmi halakan ko veltana gorong kulli ko wondon wadande jama me ngollaki si tay no hada on ara no he hondo namu musunji me kurini ono ko barki alla e barki di molon ɗiɗon takko ka anna on fof forti ɗon ka suudu ka anna on fof haldi forti ɗon kala ko ɓe faala suudude ka mawi ɗon feƴƴinande aduna on ko ɗuski no hirimen ton min wettano on kadi ko tawata kongi ɗon walliti jamaji men ɗin wonɗi donɗin fi gurdam ɓay gurdam nan ka men o yaasi allah ɓurni laamu e leydi soñjaji waɗay ko ɗum tagi no himɓe fewni ɗon. Donc ko woni komi neyitata ɗon ko andingol on ko woni doole men ɗen ko piiji ɗiɗi goo o makki piyaɗa okkeki ɗiɗi on mottodiral men ngal jogodiral men ngal jokkere en ɗan nden en mara doole ɓuri jokkere en ɗan nende en toroni ye ɓurtu jogodirde jonidirde juuɗe wallidirde yurnodirde ko hotono ɗum fuɗɗi ko ono wonduɓe ɗo ɓen taw yon jokku en ɗan yarnodiron yiɗidiron ko noon si wawo yidde wonɗiɗa donc kala golleji ko jokku ɗon ɗo kon ɓe wertanike o min andi ni on ɗo kamen jamaji men ɗum no wakkiti ko laamu jakku faala fuɗɗitade kamen
L'âme doit nous laisser famille et pour éviter que nous. On va qu'il a réglé un ton et pas la monde à l'onga à la danga et mourna. On est tous sur le courage. Quand on a nous, et Jamal la guinée, on a les gens d'autres. On est dit une foule. Quand on va les gagner, on a un groupe avec un groupe d'années et un groupe de l'Irlande. Et Mara gagne à l'époque. L'âme Mara l'aigne. L'âme Mara Géa. L'âme Kola Mouyeti. Quand on a les gens et nous, l'âme Bongudo et Fala Kaoutou. Et là, il y a la commande, il y a la force, il y a la poule, la poule. Pour cada um de nós lá mudou vai lá mudou tudo por um por lá mudou ele meta que enfala cada quando ele está no mundo sabe há de ter de fogo o que nos fica de fogo a gente ele é de novo tudo junto ele quando muda com a gente quando muda ele é de um tipo de o aquilo de Jesus aí porque ele está no mundo a gente nem já lá fica o que é todo. Aí se a nação lhe é já para ir lá porque nem a negar vai para lá e já cá lhe é nem lá ande a lá o que é que é que está cada um junto é medir junto é medir jama é medir canta o dono lá o junto então fica o ciclo é gula e gula mudo feito é tudo já não e na já não é tudo já não. Militants et sympathisants de l'FDG, je voudrais commencer par vous remercier très sincèrement pour avoir cet après-midi abandonné vos activités, renoncé à votre repos pour venir ici marquer votre soutien au combat que nous sommes en train de mener. En Guinée et à l'extérieur de Guinée. Je sais, Titine l'a rappelé tout à l'heure, que vous êtes tous des soldats, des militants pour l'avènement d'un autre pays, d'une véritable démocratie, pour le respect d'un autre pays des droits humains et des libertés fondamentales. Quelle que soit la sensibilité, quelles que soient les structures dans lesquelles vous militez, que ce soit dans les associations, que ce soit dans les partis politiques, nous avons tous une même préoccupation aujourd'hui. C'est comment faire en sorte que notre Guinée soit une Guinée où les droits de l'homme sont respectés, où les libertés fondamentales sont respectées, où les règles et les principes démocratiques sont respectés, où la dignité des Guinéens est respectée, où l'égalité des citoyens est garantie. Quelle que soit la sensibilité politique, je sais que tous les patriotes guinéens souhaitent que notre pays reparle et défende à l'intérieur de ses frontières ces valeurs que je viens d'énoncer. La Guinée, depuis son indépendance, a connu beaucoup de difficultés. Le peuple a subi beaucoup de violences, a souffert de beaucoup de misère, a accepté beaucoup de privations. L'élection présidentielle de 2010
avait suscité beaucoup d'espoir. Les jeunes, 2 ans auparavant, s'étaient sacrifiés pour exiger la bonne gouvernance, pour exiger la démocratie, pour exiger un mieux-être pour tous les fils du pays. 185 de nos jeunes ont été assassinés en 2007. 155 personnes ont été tuées au stade du 28 septembre. Il y a eu plusieurs dizaines de femmes qui ont été violées en plein jour. Après tous ces sacrifices, l'espoir était grand que la Guinée allait connaître enfin l'avènement de la liberté, de l'état de droit, de la démocratie. Et la communauté internationale avait soutenu la transition dans l'espoir qu'elle aurait pu déboucher sur des élections libres et transparentes, ouvrant la possibilité à l'instauration dans notre pays d'une véritable démocratie. Malheureusement, avec l'avènement de M. Alpha Condé au pouvoir, dans les conditions que vous savez, n'a pas permis d'apporter le changement que vous et les autres fils de notre pays attendaient de cette élection. Au contraire, notre pays a reculé en termes de respect des droits de l'homme, en termes de démocratie, en termes d'égalité des citoyens, puisque M. Alpha Condé a instauré l'exclusion et l'ethnocentrisme et le tribalisme comme moyen de gouverner le pays. Il a refusé systématiquement de créer les conditions d'une élection législative transparente, libre et équitable. Il a voulu organiser une mascarade d'élection pour prendre le contrôle de l'Assemblée et s'octroyer la légitimité qui lui a manqué dans la conquête de la fonction présidentielle. Nous avons décidé en votre nom de retourner au pays et de mener le combat pour l'obliger, le contraindre à respecter les règles et les principes démocratiques, parce qu'on ne peut plus attendre la fin de mandat. Il y avait le choix à faire. Il y avait un choix à faire. C'est soit on accepte la fin de son mandat, on prépare des élections, ou on se bat et on exige que les règles et les principes démocratiques soient appliqués, que les libertés fondamentales soient respectées. L'UFDG a choisi de mener le combat maintenant et d'exiger que M. Alpha Condé se conforme à la Constitution et au nom de la République. Nous ne perdrons pas les élections. Nous allons nous mettre en demeure et nous contraindre à créer les conditions de scrutin équitable pour que nous participions à les élections et que nous prenions le contrôle de l'Assemblée. Nous avons dit que nous n'attendrons pas 2007-2015 pour préparer de nouvelles élections. C'est maintenant que nous menons le combat pour que notre pays soit un pays où prévale la fraternité, la solidarité, la tolérance entre les enfants de notre pays. Il a fini de diviser le pays en clans, en tribus, en routes, en fonctions. Et vous le savez, il faut que dise non, on ne peut plus attendre, nous soumettre et attendre la fin de mandat. C'est maintenant que nous sommes en train, vous et nous, les mains dans les mains, de mener ce combat pour qu'il y ait la fraternité à la place de la division, la confiance à la place de la méfiance. La Guinée a donné ce pays en partage à plusieurs ethnies. Il n'y a pas d'ethnie tribaliste, il n'y a pas de mauvaise ethnie. Il y a des individus qui sont mauvais, qui sont tribalistes, il faut les combattre. Et les idéologies. Ils n'ont pas eu honte, ils ne se sont pas gênés d'utiliser le tribalisme, la violence ethnique pour conquérir le pouvoir.
Mais vous et moi, on s'attendait qu'une fois installés, qu'ils allaient avoir des attitudes, des comportements et des discours qui suscitent la confiance, l'espoir chez chaque Guinéen. Mais au lieu de ça, ils continuent d'utiliser le tribalisme et l'exclusion comme méthode de gouvernement. Au lieu d'appeler tous les Guinéens à s'unir et de se comporter comme le gouvernement de tous les Guinéens, comme le président de tous les Guinéens, ils cherchent à diviser. Dans le même village, on dit vous là, vous êtes rondés, les autres sont fous la sauce, vous n'avez rien à voir, c'est une honte pour un chef. Un chef, une fois que tu es au pouvoir, tu dois demander à tes gouvernés d'être unis par la solidarité naturelle. Ils ont les mêmes écoles, les mêmes sources, les mêmes cimetières, la même mosquée, le même sous-préfet. Tout, ils ont tout en commun. On dit non, vous n'êtes pas parents, rien ne vous lie. Cultiver la haine. Voilà ce qui se passe en Guinée et qui révolte tous les musulmans, tous les croyants et tous les Guinéens. Parce que lorsque Dieu vous donne une terre en partage, un village en partage, vous devez cultiver la solidarité, la fraternité, l'entraide. Parce que vous êtes tous de la même religion très souvent. Vous avez le même cimetière. Vous souffrez des mêmes problèmes. Vous avez la même route. Ils n'ont pas hésité à faire ça. Il y a des gens qui se promènent au Fouda pour dire non, ceci c'est les Rwandais. Vous, vos parents se trouvent de l'autre côté, chez les gens du RPG, parce qu'ils tribalisent chaque fois le débat. Nous avons besoin d'une Guinée moderne. Une Guinée moderne, c'est celle qui traite le citoyen avec ses droits, avec ses devoirs. Nous voulons que tous les Guinéens soient égaux devant la loi et devant ceux qui appartiennent à la collectivité nationale. On doit juger chaque Guinéen en fonction de son comportement, en fonction de ses actes, et non en fonction de ses ethnies, de son ethnie. Enfin. Mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs, depuis mars 2011, nous sommes en train de demander au gouvernement d'Alpha Condé d'ouvrir un dialogue pour qu'on se mette ensemble sur les conditions d'organiser les élections législatives. Ils ont systématiquement, M. Alpha Condé et son gouvernement ont refusé. Ils ont refusé d'ouvrir le dialogue. Je veux vous dire, en novembre 2011, avant que je ne quitte la Guinée, les partenaires techniques et financiers de notre pays se sont retrouvés et ont décidé de proposer à M. Alpha Condé et à moi-même d'aller aux élections au premier trimestre 2011 avec la même CENI, avec le même fichier, sans révision. La CENI sans recomposition, le même président de la CENI, le général Sangaré. Ils sont venus, une délégation, pour me faire cette proposition. J'ai consulté le bureau politique de l'UFDG, le conseil politique. On a estimé que c'était mieux d'aller maintenant que d'aller plus tard. Parce que ceux qui connaissaient M. Alpha Condé disaient si vous attendez qu'il prenne complètement le contrôle du pays, il n'y aura pas d'élection transparente. Donc, vaut mieux, malgré les griefs qu'on a contre ces CENI, vaut mieux aller avec cette CENI-là au premier trimestre 2011. J'ai consulté mes alliés de l'Alliance CENI d'Alain Président. On a fait la réunion chez Sidia, ils ont tous estimé que c'était plus intéressant pour nous d'aller aux élections au premier trimestre. Donc, j'ai donné ma réponse positive aux partenaires techniques et financiers qui étaient dans la délégation, qui étaient dirigés par le représentant de l'Union Européenne. J'ai dit que nous sommes d'accord, on peut aller aux élections. Alors, nous avons... Ils sont allés voir M. Alpha Condé, il a dit qu'il n'y a pas de question. Il n'ira pas avec ce fichier, il n'ira pas avec ses CENI. Il a des conférences, des symposiums à organiser sur les CENI et que ce n'est pas sa priorité. Et que les ambassadeurs n'ont pas à se mêler d'élections. Il est président démocratiquement élu, c'est lui qui sait quand est-ce qu'il organise les élections. C'est ainsi que j'ai quitté la Guinée. Mais lorsque je suis venu en avril, nous avons essayé
de créer le collectif des partis politiques pour la féminisation de la tragédie. Une vingtaine de partis ont accepté de créer ce collectif. Et nous avons écrit à l'époque, à notre nom à tous, pour demander qu'il y ait le dialogue. Parce qu'après tout, nous aimons la Guinée et nous aimons les Guinéens. Nous voulons que les choses se passent par le dialogue et la concertation. Nous avons accepté les résultats proclamés par la Cour suprême. Nous voulons nous investir dans les élections législatives. Mais il faut que cette fois-ci, que toutes les conditions d'une élection transparente soient réunies. Et pour cela, il faut qu'on dialogue, qu'on se mette d'accord sur la forme de mise à jour du fichier. Parce que la loi dit qu'il faut une révision. La révision est simple. Ceux qui ne sont pas fait recenser le dernier enrôlement, parce qu'ils n'avaient pas l'âge, parce qu'ils étaient absents, parce qu'ils avaient un empêchement, ils viennent, ils se présentent avec leurs documents. Et puis on les recense. Ceux qui ont été recensés n'ont rien à faire au bureau de recensement. Ils sont déjà recensés. Leurs données sont dans la machine, les données biométriques, les données familiales. Nous demandons ce dialogue. Monsieur Alpha Condé ne réagit pas. On écrit au Premier ministre. On dépêche une délégation auprès du CNT, auprès du Conseil économique et social. Toutes les institutions de la République sont sollicitées pour essayer d'infléchir le gouvernement pour qu'ils acceptent qu'on puisse ouvrir le dialogue et définir les raisons pour lesquelles on va aux élections. Ils ont refusé. Au même moment, ils prennent des décisions. Ils décident de renvoyer la SAGEM qui avait fait l'enrôlement dans la machine desquelles se trouvent toutes les données. Ils décident de recruter une société sud-africaine sans appel d'offres, sans cahier de charges. On lui donne le contrat de reprendre le recensement parce que dans le fichier 2010, il estime qu'il y a trop de militants de l'UFDG. Disons les choses comme ça. Donc ils prennent une société qui n'a pas de référence, qui n'a pas d'expérience, et on lui donne le marché. Alors que nous, on continue de revendiquer le dialogue. Nous avons été obligés d'organiser une marche le 27 septembre. Une marche qui a été sévèrement réprimée. Les gendarmes et les policiers ont tiré sur les manifestants. Nous avons enregistré le jour de la manifestation 4 morts. Et quelques jours après, de leurs blessures, 2 morts. Les rapports d'autopsie sont établis. Les balles ont été extraites de leur corps. On a tous les dossiers. Le gouvernement de M. Alpha Condé n'a pas cru devoir ouvrir une enquête. La justice ne s'en est pas occupée. Les pauvres victimes des manifestants pacifiques, on a organisé une marche funèbre de la grande mosquée à Kosa pour procéder en plein jour à leur inhumation. Le gouvernement ne s'en est pas ému. On dirait que ce n'est pas des citoyens guinéens qui ont été tués par d'autres citoyens guinéens. Alors, nous avons, au niveau de l'ADP et du collectif, continué d'exiger le dialogue. Lorsqu'ils ont ouvert le dialogue, ils ont vicié le dialogue pour qu'il n'y ait pas le dialogue. Le dialogue, c'est entre l'opposition et le pouvoir. Ils ont créé des centres de gauche, des centres droits pour multiplier les interlocuteurs. Ils disent que le dialogue, c'est entre les partis politiques, c'est pas avec le gouvernement. Ça n'a rien donné. Au départ, nous avons dit que nous ne participons pas à un tel dialogue. Finalement, nous sommes venus, comme il y avait beaucoup de monde, nous sommes venus indiquer
les problèmes que nous avions avec le programme de la façon d'organiser les élections. La CENI, elle était déjà complètement acquise à sa démission. Le fichier, ils veulent tripatrier le fichier pour diminuer les militants de l'UFDG qui s'étaient fortement recensés pendant la campagne de recensement de 2010. Il n'y a rien d'autre. Si vous entendez qu'il y a un débat sur la question du recensement, Alpha veut un recensement intégral, nous on veut une révision parce qu'il veut tripatrier le fichier. Il y a trop de militants de l'UFDG dans le parti là. Si on va aux élections avec le même fichier, c'est le risque de gagner. Donc il faut changer le fichier. Parce qu'ils savent bien qu'aux élections de 2010, c'est parce qu'ils ont triché. Sinon, ils ne pouvaient pas gagner. Donc ce débat-là, impossible d'avoir un dialogue franc. Finalement, le dialogue se termine parce qu'on avait 10 points de revendication. Il y avait la CENI, il y avait le fichier, il y avait le rétablissement des conseillers communaux arbitrairement dissous par Alpha Condé pour mettre en place des délégations spéciales composées exclusivement de chaque RPG. Il y avait la liberté des manifestations. Il y avait la liberté de mouvement des leaders politiques et tant d'autres points de revendication. Ils ont dit qu'il y a eu des points d'accord. Il n'y a pas eu de point d'accord. Les points d'accord, c'est les questions soulevées par la mouvance. Ils disent le respect de l'autorité de l'État, c'est une question, il faut qu'on discute. On a dit oui, nous sommes d'accord, respecter l'autorité de l'État. Dès que les actes de l'État sont conformes à la loi. Ils ont dit la liberté de mouvement des leaders, il faut appliquer la loi. Donc on est d'accord. Mais la loi ne s'applique pas, il faut l'appliquer. Alors c'est des points d'accord comme ça, chaque fois on dit il faut appliquer la loi, on dit oui, personne n'est contre l'application de la loi, mais c'est le gouvernement qui n'applique pas la loi. L'accès des partis politiques aux médias publics, à la RTG, vous suivez la RTG, aucune manifestation des partis politiques n'est couverte par la RTG. Tout est arc-en-ciel RTG. Vous suivez la RTG, certains d'entre vous. Donc, après avoir reçu le rapport du dialogue, Alpha Condé a mis ça dans le tiroir, il a demandé à l'ancien Camara de commencer le recensement. Nous avions protesté pour demander un audit du fichier. Parce qu'Alpha Condé dit qu'il veut changer le fichier. Mais est-ce que pourquoi on le change? Les experts viennent trouvent que le fichier est bon. Par contre, les machines de Weimar qu'il a amenées pour faire le recensement n'étaient pas bonnes. Ils estiment que ces machines-là n'étaient pas sécurisées et qu'on pouvait justement tripatouiller le fichier. On pouvait rester à Garamagnaki, recenser quelqu'un à Lola avec sa petite machine, sans même exiger que la personne ne soit là. On pouvait être à Conakry, diminuer les électeurs de Yokoundou, parce qu'il n'y a pas de sécurité dans le système. Lorsque le PNUD a déposé son rapport, au lieu, le gouvernement et la CENI ont décidé de cacher le rapport pour que l'opposition n'ait pas accès au rapport. Et automatiquement, M. Lucien Camara a dit d'envoyer les machines à l'intérieur et de commencer le recensement. Est-ce que vous voyez la malhonnêteté de l'État? On dit que les machines ne sont pas bonnes. C'est le PNUD. C'est elle qui a recruté le PNUD, c'est pas nous. Pour dire qu'il faut vérifier le fichier. On dit que le fichier est bon, mais les machines qui sont là ne sont pas bonnes. On cache le rapport et on commence le travail avec les mêmes machines. Nous avons dit à nos militants de ne pas se faire recenser dans ces machines-là. Et nous avons organisé la manifestation du 10 mai. J'ai amené beaucoup de cassettes. Il faut qu'il les multiplie. Tout qu'on a crié est sorti. C'était une marée humaine. C'était pour revendiquer des élections transparentes, mais c'est pour marquer aussi le ras-le-bol face au régime de Alpha Condé. Tout qu'on a crié. Moi-même, j'étais en tête de la manifestation de Sonfonia jusqu'à
Chez moi, j'ai dirigé la manifestation personnellement. Il fallait voir, c'était une marée humaine. C'est après cette manifestation que les partenaires techniques, les ambassadeurs, tout le monde a dit « Ah, la stabilité est en danger, la paix sociale est menacée, il faut qu'on arrête ce recensement. Il faut obliger le gouvernement à publier le rapport du PNUD. » Mais le recensement avait déjà commencé à l'intérieur, avec les mauvaises machines. Donc, ils ont finalement dit, obligé le gouvernement, les partenaires techniques, les ambassadeurs, les occidentaux ont dit, si c'est avec ces machines-là, on n'accompagne pas le gouvernement dans l'organisation de l'élection. C'est après ça et après ça seulement. Mais les ambassadeurs aussi, les pays occidentaux, des fois c'est l'hypocrisie. C'est lorsqu'on marche et qu'on menace seulement, c'est en ce moment qu'ils prennent des initiatives, malheureusement. C'est pourquoi il faut que nous soyons prêts à mener le combat. Il ne faut pas dire qu'on compte sur l'Occident, il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Et après, ils ont dit de ramener les machines. Le gouvernement a dit non, que le rapport de l'UNIT n'est pas sincère, parce qu'il y avait des gens qui étaient de la SAGEM là-bas. Ils ont recruté l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a envoyé ses experts. Malheureusement pour eux, l'OIF constate, confirme les défaillances décelées par le PNUD, mais décèle d'autres défaillances politiques, d'autres défaillances techniques. Et alors, ils étaient complètement déçus et, comment je vais dire, hâte de le ticket. Bon. Depuis, donc, ils ont dit que maintenant, il faut que l'OIF dise quelles sont les corrections qu'il faut appliquer, parce qu'il faut nécessairement qu'on utilise les machines-là. Mais ce que vous ne savez pas et qui n'a pas été dit. Les machines utilisées par la SAGEM, c'est des machines qui appartiennent à la Guinée. Ces machines sont à Conakry. C'est des machines testées en laboratoire. C'est les mêmes machines que le FBI utilise ici pour les données biométriques. C'est des machines valables. Et ces machines contiennent toutes les données relatives aux électeurs guinéens. Vous avez tout le fichier là-bas. Mais Alpha dit, je ne veux pas utiliser ça, il faut qu'on utilise les machines sud-africaines. Il ne peut pas justifier cette décision. Il ne peut pas donner les raisons pour lesquelles il ne veut pas des kits qui ont été utilisés par la SAGEM et qui appartiennent à la Guinée. C'est des kits tout neufs, ils sont là. Il dit non, il faut qu'on ait d'autres kits. On vérifie ces kits, on trouve qu'ils ne sont pas performants, qu'ils ne sont pas sécurisés, qu'ils ne sont à rien comparables aux kits qui sont là et qui appartiennent au gouvernement guinéen. Pourquoi il fait ça? Mais la raison est simple. Mes chers frères, Alpha Condé, en tant que parti, avait eu 18% au premier tour, vous le savez. Aujourd'hui, les Guinéens ont compris qu'il n'est pas à la hauteur. Ceux qui avaient été corrompus, ceux qu'on avait trompés, ceux en qui on avait cultivé la haine ethnique contre le candidat peur que j'étais, aujourd'hui, ceux-ci ont réalisé qu'Alpha, non seulement il ne respecte pas ses engagements, parce que tous ceux avec lesquels il a signé des accords, le général Fassine Touré, Kassori Fofana, les Lansana Kouyaté, Papa Kodikama, il n'a rien respecté. Si Kouyaté nous a rejoints, c'est parce qu'il était déçu. Non seulement il n'aura pas respecté ce qu'il a promis, mais les politiques qu'il mène, tous les patriotes guinéens, on peut ne pas aimer ce ou le péché, mais il y en a qui aiment la Guinée, l'unité de la Guinée, la fraternité qui a toujours prévalu entre les fils du pays. Alpha Condé est en train de quitter la Guinée. En utilisant l'ethnocentrisme et le tribalisme comme méthode de gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus, mais le bien-être, les coûts de la vie,
les difficultés que les ménages rencontrent au jour le jour. Combien de familles en Guinée ne peuvent pas assurer les deux repas par jour? Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer à quel niveau se trouve la précarité aujourd'hui dans le pays. Les gens souffrent. Et donc, Alpha sait qu'il ne peut pas gagner les élections législatives. Pour les gagner, il lui faut un fichier à lui, il lui faut une CENI à lui, et pour qu'il puisse organiser une mascarade d'élection et dire voilà, je suis majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas possible. Voilà les raisons pour lesquelles il s'en. Alors, voilà la raison pour laquelle il s'accroche à Véma, il s'accroche à l'Océanie qui était un homme à sa dévotion et à cette CENI-là qui a montré ses limites, son incompétence et sa mauvaise foi. L'opposition regroupée au sein du collectif de l'ADP continuera le combat jusqu'à ce qu'une CENI compétente qui saura tenir la balance égale entre les partis politiques soit mise en place. Nous ne voulons pas de l'opérateur Véma qui a été choisi par M. Alpha Condé et son fils. Même la CENI n'était pas associée. C'est lui seul qui a choisi cet opérateur et qui veut l'imposer au peuple de Guinée. Nous disons non, il faut un nouvel opérateur. Nous avons dit à l'UFDG, notre vocation, ce n'est pas de boycotter les élections. C'est de faire en sorte que les élections soient transparentes et d'y participer. En tirant les leçons, toutes les leçons des élections présidentielles. Et pour cela, nous sommes en train, tout le combat que nous menons actuellement, c'est pour que les conditions d'un scrutin équitable, libre et transparent soient créées. Parce qu'on ne va pas s'asseoir, laisser Alpha Condé organiser une mascarade d'élection. On a dit qu'on mène le combat. Nous allons participer et prendre part à cette élection pour contrôler l'Assemblée. Parce que si un dictateur contrôle l'Assemblée, il va changer toutes les lois pour créer des lois en faveur du pouvoir personnel. Ce combat, nous savons que nous le menons ensemble. Dutine a rappelé le rôle que vous êtes en train de jouer. Je tiens vraiment à féliciter nos compatriotes vivant à l'étranger, notamment aux États-Unis, parce que vous jouez un rôle important. Nous avons besoin de votre soutien moral, Allah. Nous avons besoin de votre soutien financier. Et à chaque fois qu'il y a un problème, on sent que c'est votre problème. Même pour la manifestation du 8 mai, vous avez cotisé ici et nous envoyé de l'argent pour les victimes. Je tiens à vous adresser toutes nos félicitations et nos sincères remerciements. Vous avez apporté beaucoup d'argent chaque fois pour les victimes. Et croyez-nous, ça a été extrêmement utile. L'UFDG a subi, nous continuons de subir, mais les gens sont déterminés. On a arrêté 800 militants de l'UFDG, dont 500 ont été déférés à la justice, ont été jugés, ont été arbitrairement condamnés. Nous avons enregistré 9 morts et un dixième qui, depuis le 10 mai, depuis le 27 septembre, l'année dernière, est entre la vie et la mort. Il est dans un coma profond. Vous le savez. Mais les gens sont toujours déterminés. Vous avez suivi, malgré ces répressions, malgré cette injustice, malgré ces violations de nos droits, notre population est désormais plus déterminée aujourd'hui qu'hier. Les militants de l'UFDG, vous devez être fiers de vos militants qui sont à Conakry. En quittant Conakry, j'ai laissé 87 de nos militants en prison, déférés en justice, parce qu'ils ont participé à la marche du 27 août. Certains n'y ont même pas participé, ils
ils ont été arrêtés chez eux, dans leur domicile. Mais il faut qu'on accepte ce combat, quel que soit le sacrifice. Parce que si on laisse Alpha Condé, il ne connaît que le rapport de force. Il s'en fout de la loi. Il ne passera pas par la loi. Oida Gonga, Oida Saria, ko andiwo ko dartede. IFDG non en haldien korki. Yo en darto. Parce que Django, si en darte a ti hante, Django, en fok, en toka y lindi. Parce que Kanko, o falaka lindi. Mi arno en defria. Sa ali figoto o enna kopullo ko maninka yo konieni. Menni, no hersini, parce que la kine, belanda ki mohanto iwi, wanto mawe mako iwi sipe wotani. Mayro iwi na mako gine, eka ita iudi. Kanko awale figo, eto iudi mako ni kopullo kako nundo, kako maninka do kako sozo, menni o defto nundo. Parce que c'est de là que non. Araï koye pédou wakila. Wela dafi. Kono felite. Koye nenfonata. Si yon wakilike. Alhamdulillah rabbil alamin. Barke Allah wakilide konhande. La nga gugur na nyakini. Yip pepe hande lagini. Arana mil tan UFDG. Tam biti nobe, bairi pe daina mahi, efoda mahi, pe yena. Hande son goti ya mape. Mena kade, wako yeti lampu na tak pitu den. Kono, me hala na umbuye ya mape, hande no nisi. Awa kuata enjokorde koke gurdu na wantu makomu. Paske politiko koye mbandi tube. Bandi tende. Sido mbundi e kauta mbom mihala ni militan UFDC den. Mendi kauta de mbom den yenu no de bambu. Fionda wodo. Fit. Ante edisi. Politete banu. Parce que vous êtes dans le village. Mais il y a un quartier qui est vraiment il y a un quartier qui est 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 un Jone si bedisi, si bearti, hete. Wata on, nende jure de toute façon, c'est d'avoir le de miskino. Wata fi yo miskino yomite. Kwa kunde ma yalla ray wana wanda abadad. Sita la okima purnima, adita koma koto do miskino okoran moko okorma ko wadu mo. Kwa na hala. Wata en wadu. Wado engai mukana kwa UFDC kwenye tabitu bano adama fu na fota juu kwenye fu na fota ina mal mumini na ifua kwenye mtu rom si anjira mangai kumehala na rova ni kumehali sawa tayari awana kwenye hulu kana kwa UFDC kwenye yimbe ripe timu be kwenye tabitu bano adama fu wala taki. Mwanyiri iko kwenye nyolmako kwa ifaljiri uni. Kwenye joga ufobe jiku mungo ekude mwende nkono. Ara engwala ni ngaimu. Paske wapepe nubili kainute. Wapepe nubili suwute. Wapepe nse afudinu. Besikai. Harai. Fono hunna adi.
comme un tédor, guineton, il devait bouillir fami. Oye, walide. No bon compte de fami de Nafiraï, Yango. Parce que la politique, c'est un an qui n'a pas de la politique. Fille qui dit qu'il y a un est-ce que n'a pas de la si n'a pas de Yango. Dara Gouana Maï n'a pas bon. On dit qu'il s'est là, et qui vous dit mon mot, il est dit mon mot. Pour dire qu'on a un an et puis qu'il n'a pas de la vie. Il t'a mis il est pour vous dire l'outa pour faire des affaires. Alors que le pays porte un gamme et tout le monde va bien. Il y a des bourses pour voir l'Italie. Mais il y a un gamme pour ta tamonette. Si porte un gamme l'outil, il y a un gamme pour une autre tête d'un gamme. Et là, on a dit l'outil, non, pas là. Là, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on Tolong welter dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ko okikan porter turun yang gal tadi. Wata sejajar de bon nunggal. Wata alfa kon de bon nunggal. Onani fi di dau ko fi. Zokota. Que vous vitez. Et même, EFDG qui est comme quoi il fait bien à eux. Police et gendarme, Wari, quand même, il a alpha là. Ben, nous faisons sur Ramadan à Tridon. EFDG, on ne t'a pas dit sur Rubel. Haïe Goto, film, enquête Wadak, tribunal, d'Aral film. Zacharie Obado doit être en premier le 3 avril. Autopsion, voilà. Et il dit, Kouranga, la cadavre de Mako de Fendare, ou à la Mongwe. Mais voilà le rapport d'autopsion. Moi, je m'en vais, moi, je plainte, je suis à tribunal. Maintenant, je suis à tribunal. Je n'ai pas condamné. Plainte, on va pas dire. Et il n'y a pas d'attendre. Hai egodo polisi masyandarmu wadali angket tribunal yehitaki zogota leya ijemma e inor di matang benati yide ekodono lewari presiden distriktion duen di vilajon san deusan e yipte nayo fen la jemma a inor di matang. Mais voir nos manifestations bureau fédéral, il y a un bureau IB, il y a un temps parce que je démarre le bureau fédéral, dynamique à se recouvrir. Les manifestations, il y a un temps où il y a un temps où il y a un temps parce que. Wana. Fi. L'ennemi, que je l'ai dit, est foot. Je suis humain, de ta vie, tu es l'ennemi. Je suis à Yili. Je suis à Daro, Wawa Fernande, que nous avons fait Yangana. Mais voir nos déclarations ADP et collectif, mais condamné nous tous, quand on a voulu quand on mais il y a des manifestations. Mais nous voyons que nous avons voilà, sans jugement,
Jemma, 1h du matin, ay gor ko tombo tanki a l'heure. Donc yo ngandu lamu joni ko latine don. Wana lagu wondo yirmene wana lam yidudo rew de saria ma gonga. Ko dole ko leni ni lawre dole. 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 E ngandi iden darta no. Wakido. Il faut des sacrifices, bien entendu. Mais je dois vous dire que la jeunesse de l'UFDG est déterminée. Je dois vous dire que les sages, membres et sympathisants de l'UFDG sont déterminés. Je dois vous dire qu'il y a l'unité très forte en Guinée. J'ai fait le tour des préfectures de la région. J'ai été à Kimbia, à Mamou, à Dalaba. J'ai été à Bouria, à Fort Dakar, à Boulivet. J'ai été à Brouatapé, à Pita, à Timbimadina, à Afia. J'ai été à Labé. J'ai été à Domestigon. J'ai été à Yembere, à Fougou, à Mali. J'ai été à Touguay, à Diomfo, à Sanou. J'ai été